YouTube! Salut YouTube! So if you're watching this and you're an English speaker, you can turn the subtitles on because this video is going to be in French. So don't hesitate to click on the captions down below and turn the subtitles on in English or in French. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je suis avec ma copine Elisa. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Elisa, j'ai 10 ans. C'est tout? Oui. Tu aimes bien les chevaux? Oui. Oui, on est allé hier... Au salon de cheval. Exactement, au salon de cheval. C'était cool. Ouais. Donc, Elisa voulait faire une vidéo avec moi. Et du coup, on s'est dit peut-être on peut parler de la vie à l'école en France. Oui. Oui. Si tu es d'accord, je vais te poser quelques questions. Non, je m'en vais. Parce que c'est pas forcément pareil qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, ou d'ailleurs. Mais d'abord, tu vas à l'école dans quel département? Dans le Gard. Et c'est où? En Provence. En Provence. T'aimes le cours? Oui. Oui? Beaucoup ou moyenne? Ben là, ça me gonfle parce qu'on fait que des trucs nuls. Mais sinon, j'aime bien. Sinon, en général, t'aimes bien. D'accord. Quelles sont les matières à l'école? Alors, il y a maths. Oui. Français. EMC. Sport. Arts plastiques. Sciences. Histoire. Géographie. Musique. Là, c'est tout. Donc, tu as des français? Tu prends un peu de... Eh oui, je prends l'anglais aussi. Anglais aussi? Un petit peu. Ouais. Tu veux que je te teste ou... Non. Non, ça va. Ok. Le EMC, c'est quoi exactement? C'est l'éducation morale et civique. L'éducation morale et civique. Ça veut dire quoi? Et en gros, en ce moment, on travaille sur le harcèlement scolaire. D'accord. Le harcèlement... Sinon, on a fait l'empathie. Ouais. Et aussi, quand on parle, par exemple, de la guerre, des guerres mondiales et qu'on dit que, oui, quand il y a des événements comme ça qu'il faut fêter, c'est EMC aussi. D'accord. En gros, c'est comment être un bon citoyen. Voilà. Ouais. Ah, c'est cool. T'as trouvé les mots que je trouvais pas. Peux-tu me décrire, s'il te plaît, les différentes classes? Parce que là, j'ai rien compris. CM1, CM2, j'ai vraiment rien compris. Alors, il y a la maternelle, mais là, c'est petite section, moyenne section, grande section. L'école maternelle, c'est entre 3 et 5 ans. Voilà. Donc, il y a le petit section, c'est les petits de 3 ans, moyenne, 4 ans. Et c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. D'accord. Après, il y a la primaire, où il y a le CP. Après, il y a CE1 qui veut dire cours, tatata 1. Et cours, et CE2, cours, tatata 2. Tata 2. CM1 c'est cours moyen 1 et CM2 c'est cours moyen 2. Et toi tu fais CM2 ouais. En ce moment ouais. Après du coup il y a la 6ème. Ouais. Donc et là, on est au collège là. Ouais. Donc on a 12 ans. 11 ans. D'accord. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Après on passe au lycée. Ouais. Il y en a 15 ans je crois. Où on fait seconde, première, terminale, et après il y a la fac, et après il y a le travail, et après il y a la retraite. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer le système de notation à l'école? Comment ça marche en France? C'est A, acquis, B, en cours d'acquisition, ouais. C'est en cours d'acquisition, mais c'est presque pas acquis, ouais. Et D, c'est non acquis. D'accord, donc vous avez le système ABCD maintenant. Ouais. Parce qu'avant c'était genre 10 sur 20, 15 sur 20, ouais. Ce genre de choses. Ouais. Pourquoi ça a changé? Bah, parce qu'en fait ça a dévalorisé l'élève. Ouais, parce que c'était un peu trop dur. Bah ouais, parce que moi je trouve que si t'as C, tu dis ok, j'ai pas trop ma note, mais que si tu te dis ah bah j'ai 5 sur 20, c'est... D'accord. T'es déçu quand c'est, je pense. Ouais, je peux comprendre. C'est un grand changement en France, ça, parce que... Ouais, mais il me semble qu'au collège, et des collèges, ils le font encore. C'est possible. Les notes, elles sont partagées ou pas? Non. Enfin, après, si moi, je veux le dire à une copine ou quelqu'un, bah, je peux le dire. Mais après, c'est des... Alors, toi, t'as eu C, toi, t'as eu D, toi, t'as eu A, très bien. D'accord. Donc, c'est quelque chose de personnel si on veut le garder pour... Oui. Comment ça se passe une journée type à l'école? Alors, nous, par exemple, le lundi, souvent on a français en premier, pardon, anglais, environ une demi-heure, un quart d'heure. Donc vous dites good morning. Voilà.
Après, on a français jusqu'à la récré de 10h30. Après, on a maths. Et après, l'après-midi, on a art plastique, EMC, sciences, histoire, géographie. Et après, le lundi et le jeudi, on a sport. Tu fais quoi comme sport? Le lundi, je fais basket. Mais sans qu'on va changer, on va faire piscine. Et après, le jeudi, je fais gym et on va bientôt changer, mais je sais pas ce qu'on va faire. Pendant ta journée, est-ce qu'il y a des pauses? Oui, c'est 10h et ça dure 15 minutes, mais l'été, ça dure 1h. Après, c'est 11h30, 13h30. D'accord. Et après, ça, c'est 15h et ça dépend de combien de temps. 15h30. Voilà. Ouais. Et après, 8h20 à 8h30, nous accueillent à l'école. Et après, on part de 16h30 à 16h35. Parce que, voilà, ils ouvrent. En fait, quand il n'y a plus de parents, ils ferment. Tu vas à l'école du lundi jusqu'au vendredi? Non, en fait, je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais c'est où, mercredi? Et ben, on travaille pas. Oh là là! Tranquille, la vie. Ouais, c'est ça. Et on a une heure de devoir. Ah le oui. Le week-end. Ah. Un quart d'heure, une demi-heure, pas le week-end. Dis-nous un peu plus sur les devoirs en France. Comment ça se passe? Moi, j'ai une heure le week-end dans le temps. En gros, ça fait 2 heures. 2 heures de devoirs par semaine. Et est-ce que tu peux nous parler de les sorties scolaires? Non, c'est souvent des sorties sportives, randonnées et tout. Mais sinon, en ce moment, on voit beaucoup de spectacles. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Là, il n'y a pas longtemps, on a vu Peter Pan. Ah, cool! On a déjà vu des trucs en bulgare. D'accord, cool. Ou alors, on fait des rencontres avec les autres écoles de badminton, de basket et tout. Vous avez combien de vacances par an? Attends, il y a Toussaint, octobre et début novembre. Ouais, donc ça fait 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Après, il y a Noël, c'est 2 semaines. Ok. Après, il y a février où c'est 2 semaines. Après, il y a avril où c'est 2 semaines. Ouais. Et il y a les grandes vacances où c'est 2 mois. 2 mois! 2 mois, c'est énorme! Ouais, ça passe trop vite! Ça passe trop vite! Ça passe trop vite! Quelle est ta matière préférée à l'école? Les maths ou les sciences? Ça dépend ce qu'on fait en fait. Waouh! Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Vétérinaire! 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 Ouais, voilà! J'adore les animaux! Ouais! Et tu veux les soigner? Moi, je préfère les chiens-chats, lapins et tout. Parce qu'en fait, les vaches ou les chevaux, bah, faut mettre un grand gant. Il faut aller mettre la main dans les fesses de la vache. Ça me dégoûte. Et qu'est-ce que tu manges tous les jours à l'école? Oui, alors tout le monde dit, oh, mais à la radio et tout, ils disent, oh, mais non, mais c'est normal, les enfants ils aiment pas la cantine parce que c'est équilibré, patati et patata. C'est sûr que l'autre jour ils nous ont fait. C'est sûr que quand ils font la viande tous les jours, c'est vrai que c'est très équilibré. Et sinon, tu manges. Enfin, avec la viande, j'imagine que tu manges des légumes, de la salade. Non. Non, pas beaucoup. Des patates peut-être. Ouais, des patates aussi. Ouais. Mais après, le jour en entrée, il y avait des carottes râpées. Tiens, c'est bon les carottes râpées. Ouais, c'est très bon. Sauf qu'il y avait de la mayonnaise avec. Ah! Et la mayonnaise, il y en avait 3 fois plus que les carottes râpées. Je mange pas ça, c'est mort. Voilà. Et qu'est-ce que tu manges pour le dessert après? Un yacht, des fruits Ah bah ça dépend, la plupart on fait souvent, ils donnent beaucoup de pommes. Je sais pas pourquoi, ils sont à fond avec les pommes. Ok. Ils s'en font, genre, tous les 3 jours, c'est une pomme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour avoir regardé cette vidéo. Pour avoir regardé. Ok, je vois. La prochaine vidéo, c'est tous les mercredis. On vous laisse, on vous fait des gros bisous. À bientôt. À bientôt.